La peur, ça tu connais, hein, Rocky? Mime-moi le jour où t'as eu le plus peur de toute ta vie. Ça va, Rocky? Qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète pas, je prends le relais. L'important est de maîtriser le texte pour toujours s'en sortir sur scène quoi qu'il arrive. Oh, princesse, vous êtes belle comme un grand jour de soleil. À toi, Rocky. Oh, princesse, vous êtes belle comme un grand jour de soleil. Ce compliment me fait chaud au cœur. Seigneur. Ce qu'il faut à Rocky, c'est peut-être une méthode plus visuelle. Allez, mets-y du cœur. Mon cœur en est tout retourné, ma mamie. Mamie et pas ma mamie. Respecte le texte, Rocky, et prononce chaque syllabe. Pouah, c'est pas rigolo le théâtre. Je suis votre serviteur, mamie. Il est pas très naturel, vous trouvez pas? Au contraire, il maîtrise bien le texte. Et l'émotion est là. On sent bien qu'il est amoureux. Oh, je me sens pas bien. Anaïs, tu es blanche comme une corne de mammouth et brûlante comme la bave du volcan. Je crois que je vais devoir rentrer chez moi pour me reposer. Sans Anaïs, Rocky, je me demande bien comment tu vas pouvoir jouer. Il pourra pas venir, je suis vraiment désolée. Tom est malade à son tour. Sans les rôles principaux, je me vois contrainte d'annuler la pièce. Me dites pas que je me suis entraînée pour rien. Oh. Je peux reprendre le rôle d'Anaïs? Je me sens capable de le jouer. Et moi, celui de Tom, je le connais par cœur. Vraiment? Bon, alors répétition générale. Je vais filmer la répétition, ça nous donnera une idée de notre jeu.